up, ma gang de gazeux? Bon 15 août, Unboxing Friends 7! Ouais, ben là, vous autres, vous n'allez pas entendre ça le 15 août, ben nous autres, on enregistre le 15 août, ça fait bonne fête des Acadiens, et ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi un Acadien, arrêtez d'écouter Reddit parce qu'on vous aime pas. Vive les Acadiens, go! C'est le 15 août. Aujourd'hui, Unboxing Friends numéro 7, on va dans... Là, je vous en dis tout de suite. Le Unboxing Friends numéro 7, le Unboxing Friends numéro 8, et le fin de mer numéro 4, on va être habillé pareil parce qu'on enregistre un après l'autre. Tu fais que là, envoyez pas vos messages. Vous êtes tout habillé pareil. Je peux-tu dire qu'est-ce que c'est? Oui. Ben, notre fin de mer 4, ça va être. Hey, elle est donc bien gentille. C'est un autre fin de mer de Nancy. Nancy, encore, oui, une grosse boîte. Donc, puis, merci. Il y a des juste pour moi encore, puis papa encore. Là, on va savoir de qui ce que c'est. Avant de commencer à ouvrir les boîtes, là aujourd'hui, ben, sur le Unboxing Friends numéro 7, j'ai une grosse boîte et quatre moyennes boîtes. Honnêtement, ça fait tellement longtemps qu'on a ces boîtes. Comme il y a des boîtes là-dedans, ça fait 3 mois qu'elle est dans mon garage, je n'ai pas encore ouvert. Sauf je ne sais pas quoi ce qui est quoi. Donc, ça va être une surprise en même temps que vous autres. Mais Lorette a fait un achat qu'il aimerait vous montrer. Ce n'est pas un Funko Pop, mais il est fier de ça quand même. Je vous laisse se présenter. Non, c'est ton œil là. C'est un quoi ça? Un bonhomme pompier. Un pompier? Ça me fait rire parce que c'est des bonhommes de pompiers, pas de pénis. Je le montrerai pas évidemment, mais c'est, ça m'a tout fait rire. Attends, ouais, t'es comme pas mal loin. Là. Je sais pas si le monde va pouvoir voir. Ça, c'est des petits sacs qu'ils vendent au Petro-Canada. C'est une affaire. Puis on peut le flipper. Des bords. Je vais essayer de le mettre plus proche pour qu'ils voient. Dans le fond, c'est un bonhomme comme ça. Là, je sais pas ce qu'ils vont pouvoir voir. Et ça va se zoomer. Zoom, voyons. Ça va me zoomer. Non, mais regarde, ça, c'est un. Un chat. Non. Puis après ça, tu le prends, puis tu le pars pas plus haut de bord. Puis là, c'est un lapin. Donc, sorry si ça n'a pas zoomé, mais regarde. Là, ça, c'est pour le bonhomme, les autres choses. Ouais, là, dedans, vous savez quoi, ce que je dis, ça, c'est pour mettre sur sa face pour pas que ça. Pour qu'il brûle. Il faut le mettre. Oh, ben là, montre-le tout de suite, parce qu'on peut pas porter 25 minutes une poussure. Ça. Montre-le ce qu'il y a, là, puis. Ok, je vais tout montrer là, c'est un casque. Un casque parce que c'est pas minute, le monde, ben pourquoi il y a un casque de motocross? C'est parce que. Avec ça, ça venait avec ça. Un gros bicycle à gaz de pompe. Ben c'est pompier, hein? C'est pompier, hein? Ouais, pompier. Ouais. Puis ben là-dedans, il y a une hache, une longue vue, une crowbar, un masque avec sa bonbonne, des gros. Ça, je trouve ça cool, actually. C'est comme des grosses pinces. Genre des pinces de désincarcer. Ouais, okay. Là, la première chose, c'est mon bisque à gaz. Ouais, ben oui, ben tout ça ensemble, parce que si t'as rien, un bisque à gaz, pas de bonhomme, ça serait blanc. Ben j'ai quand même des deux bonhommes de ça. Ah, c'est vrai, ouais, prends tes autres bonhommes, t'as raison. Bon, première boîte. Et je sais pas ce qui est dedans, parce que c'est facile. C'est mais, Fluffy. Dis-moi pas, parce que moi, je veux pas ça. Moi. Ben, regarde, le monsieur qui est le papa a deux fois, puis il y en a un qui est signé, là. T'en souviens-tu? Ben, c'est lui, ça. Mais c'est son nouveau de lui. C'est avec ses deux chiens. Lui, il y a deux chiens. Mais attends, mon dieu. Hein? Attends, mon dieu. Ben, non, mais le louchard. Là, tu savais pas quoi ce que c'est. Ben, peut-être que oui, peut-être que non. Là, j'espère qu'on va mon adresse. Non, ok. C'est toujours. Avec Fluffy, c'est toujours bien. Scellé. Moi, il va garder. Tu peux ouvrir. Attends, il va passer à l'ouvrir. Bon, attends. Non, c'est pas mal. Moi, il va me montrer. Mais forcément, la boîte est belle. Ah, oh, perfect. On va pas voir les montages, je pense que t'es pas assez proche, je te cherche. So, c'est Gabriel Fluffy Iglesias avec ses deux chiens et exclusivité du Fluffy website. So, here's Fluffy. Ça zoome tout le temps sur toi, c'est ton maintenant. Là. Bon, là. Zoomé, là. Là, oui. Là, vous voyez ses deux chiens. C'est Vinny et Riza. C'est comme cute, ça.
Là, les autres, tu sais pas ce que c'est. Non, non, les autres, je sais pas c'est quoi. C'est moi qui vais voir mon premier. Ouais, toi, tu garderas pas. Que je cache mon adresse, par exemple. Toi, tu garderas pas. Ben, je veux pas le monde ou mon adresse. Je veux pas le monde. Je veux pas que le monde qui est pas supposé avoir mon adresse ou mon adresse. Le monde qui veut l'avoir pour nous envoyer des choses, demandez-moi-le en privé, je vais vous l'envoyer avec plaisir. Mais des fois, on sait pas ce qui peut arriver des fois. Hein? Hein? On se comprend tout le monde. Hein? Ça peut y a des voleurs qui voient ça. Des personnes très méchantes. Il y a déjà une... Quand on était à l'hôtel, il y a déjà une personne méchante. Là. Ça va une belle. Là, c'est-tu dans les boîtes, là, Rick? C'est-tu comme quelque chose? Je sais pas si tu te brises. Mais gros, il y a une belle face. Je sais pas c'est quoi. Non, je dis, le Rick a une belle face. Something for me. Oh! OK. Ah, c'est ça, ça vient de Pascal de même. OK. T'sais, Pascal qui a donné un petit. Un chose Reaper. Pourquoi ça zoome pas? C'est donc maintenant, Frig. Mon zoom est-tu coupé, là? Mais regarde, là, il y a des protecteurs, là. OK, une minute. Je crois que c'est mon ça avec des protecteurs. Promis, va faire attention. Qu'est-ce que c'est qu'il y a des protecteurs? Il y a des protecteurs. Ah, ben, bien sûr. OK, ouais, c'est correct. Ouais. Ouh! Wade Wilson, Whippin' X. Dans le fond, c'est comme basically Deadpool. De... Non, fais pas ça dedans. Ça va être tannant, ça. De Marvel, c'est un 2020 Convention Center. Convention Papa, Limited Edition exclusive. Je crois bien que ça vient de Pascal à cause de garde, bien sûr. Ah, ça vient de Pascal, ouais. C'est ça que c'est. Hey, c'est donc tannant que ça zoome pas. Hey, ça m'énerve, ça zoome d'habitude. Anyway, ça c'est. Oh, j'ai oublié de les mettre dans mon show. Attends une minute, on va les rentrer. Ça, il n'y aura pas de valeur dessus. Attends une minute, chat. Lui, il n'y aura pas de valeur dessus parce qu'il est flambant nu. Mais je vais rentrer. Pascal doit aimer Ninja Turtle. Pascal adore Ninja Turtle. Comment ça, tu sais ça? Parce que je le connais. Pascal, il capote ses Ninja Turtle. Bon, Gabriel Iglesias, il n'y a rien, évidemment, parce que ça, c'est flambant nu. Puis lui aussi, Weapon X. Papa. Il n'y a pas de valeur, mais non. Là, c'est écrit. Ok, go. Ok. Ah, oh! Ouh! The Joker 2016 New York Comic Con Limited Edition Super Hero. Mais papa, là, c'est lui. Attends, dis pas. C'est lui. Là, sorry si ça zoome pas. La prochaine fois, mon setting de caméra doit être. Il m'a dit quelque chose. Tannant. Quoi? Attends, non, mais minute, j'ai pas fini! T'as pas gardé, hein? Non, j'ai pas gardé. Laisse-moi faire une minute, là. Lui, il vaut 53$. Yes! Ça, je l'ai gagné sur un Waffle. Vous dites quand même, début, ça vient. J'ai gagné ça sur un Waffle. Okay. C'est lui, mais pas avec ses choses. Ok. Ah, ok, oui, c'est le 8-bit de Joker de GameStop Exclusive DC Super Hero. Ah, tiens, là, ça zoomé. Hein? Non, mais il n'y a rien là-dedans, je crois. Sorry pour le bruit. On va rentrer ça là. Lui, il vaut 17$. Ça, c'est pour moi! Ouais. Ça fait que ça, dans le fond, j'avais gagné à Waffle. C'était les deux qui venaient ensemble. C'était genre 5$ du Waffle. Merci, Pascal! Pascal, you're the best! Pascal, you're the best! Pour vrai, là. Puis ça, c'est un autre Waffle que j'ai gagné. C'est bon. Yeah. Ça, mais peut-être à côté parce que ça n'aura pas rapport là-dedans. Ok, ça c'est un autre. Oh ça c'est un autre waffle parce que je viens de voir le nom. Je sais pas quoi ce que c'est, mais je sais que c'est quelque chose que j'ai gagné dans un waffle parce que ça vient de Jorge. Je sais pas si garder avant toi. Ben oui. Il doit en avoir comme une coupe là-dedans. Là. Je pense qu'il y en a deux. Deux ou un. Il doit avoir. Mais je sais c'est quoi. Tu sais c'est quoi? Non, ben j'ai. Je sais que c'est quelque chose de gagné dans Waffle, je veux dire. Mais je me rappelle pas c'est quoi. Et on va faire avec les champignons après. D'autres papiers sales. Qu'est-ce qu'il y a? C'était-tu bien des bonnes sales? Oh, ta bornouche! Au Rinzen Tower, les compresseurs, t'es en spécial, c'est 25% off, ta bornouche, hé! Parle-moi de ça, vous autres? Moi, c'est dans Bubble Wrap, avec Will Decolle. Ok, ben, t'as mis, je vais essayer de. Ben, tu peux-tu le décoller sans les plier? Oui, oui. Okay. Oh my god, il y a vraiment des protecteurs. Ah, c'est correct, ça. Quand tu les gangs, c'est des waffles, il y a des protecteurs qui viennent avec ça qu'il faut. Bah, tu sais, dépendamment de la personne qui fait le waffle.
Il y en a qui n'en mettent pas. Il y en a des, ouais. Il y en a des. T'as-tu la misère? Je garderai pas, je vais t'aider. On en a sorti un, je te juge, je garde pas. Ok. Là, c'est qui lui? Spider-Man du film The Amazing Spider-Man 2. Pis, hey, devinez quoi? Yeah, le cinéma vient d'ouvrir! Yeah, j'étais voir Unhinged, je suis correct. Ok, oh. ça on va poser be ça. Be careful. Hey, il vaut 66$. J'ai gagné ça dans un waffle, lui aussi. L'autre, c'est pas Spider-Man, mais ça vient de Spider-Man. Ouais, c'est Electro, lui là, il brille dans le noir. C'est Glow in the Dark Electro. Dans le fond, c'est... Ben là, je vais vous montrer. Regarde, j'ai pas montré mon petit affaire là, au chargé. Attends une minute. Dans le fond, c'est les deux de la collection. Il y avait deux dans la collection. Mon petit affaire de Pascal, c'est lui. C'est de Ethan Overwatch. C'est une petite squelette. Overwatch. Ça, lui, il vaut... Oui, tu vois. Ok, on l'ouvre. Lui, il vaut 21$. Non, lui, il vaut combien? Attends-moi avant d'ouvrir l'eau. Montre au chargé. J'aime pas ça, je vais enlever parce que c'est tellement collant. Oh yeah, merci Pascal! Pascal, t'as vu toutes les petites gâteries, t'es pas mal gâtée, toi. Oui. Oh, on est rentré dans les sorties. So, ça, c'est pas vraiment des bonhommes. C'est des bonhommes pour jouer, c'est des keychain pop. Dans le fond, c'est comme ça. Il y a un Funko Pop version normale de ça, puis ils le font en keychain pour le monde qui savait pas. Bon, hey, no, what? Excellent! Tu sais ce que c'est dedans? Non, lui, j'ai aucune idée. Moi, il va garder avant toi! Habituellement, quand le premier. À moi, ce serait une mystery box. Parce que j'ai une mystery box, c'est pas là-dedans. Moi, ça, je vous excuse. Habituellement, Lilo, minute. Habituellement, quand j'en vois un, je peux figure out si c'est quoi le reste. T'inquiète-toi pas, je garde pas. Y a-tu du papier? Y'a-tu des sales? Ah oui. Oh, non, y'a pas de sales. Ça, c'est un petit papier. Il y en a 1, 2, 3, 4. Ah, ok. Ah, ben, ça doit être une mystery box. Ok. Ok, ça, c'est une mystery box de TW. De TW Funko. Ok. Ça, dans le fond, ça m'a coûté... Non, c'est pas tout des TW. Non, ben, c'est une mystery box de eux autres. Là, je suis malade, c'est celui-là. Non, allez. Actually, on va tourner le rig parce que j'ai peur que le monde voit mon adresse. On va le faire mettre demain. Dans le fond, ça c'est TW Sports Cards. Ils font des mystery box. Ça a coûté 50$. Je vais voir pour fun. Si que j'ai ma valeur. Ça c'est Flash Gordon Prince Volton. So, lui est 19. Ok. So, on met 19. Dans mon. On va calculer ça. Apichou! Lui, ça vient pas de TW. Non, mais là, c'est la même chose, Charles. Toute cette boîte-là vient des autres. Non, je sais ce que tu veux dire. Ah, oh, ça, je suis pas content, par exemple. Je peux-tu l'avoir? Non, parce qu'il lui vaut cher. Je vais le mettre dans une de mes mixture box et moi, je vais faire. Un Hot Topics exclusif de 10 coups de My Hero Academia. Je déteste cette affaire-là. C'est pas de. Regarde, c'est My Hero Academia. C'est un show japonais ou chinois, whatsoever. Bon, so far, ça n'est deux que je connais pas pour Saint-Saëns. Lui, il vaut 20$, je suis rendu à 39 déjà. Ok, nice. Bon, moi, au moins, j'aurais la. Garde, ça n'est deux que j'aime pas, mais au moins, j'aurais ma valeur. Ok, ça sonne drôle. Ça. Vous autres l'avez vu, je pense. C'est un pirate. Oh! Avec une guitare électrique. Oh, ben c'est, non, c'est pas un pirate, ça, c'est un rocker, c'est... Oh, ça, c'est Zoé. C'est Lemmy Kilmister de Motorhead. Regarde. C'est le même bonhomme. Actually, lui, c'est dans les trois, je suis juste plus content. Comme vous pouvez voir, Warpy get ready to sit. Mais papa, l'autre... Minute, faut que je garde la... L'autre, tu vas plus Lemmy, là. Ouais. So far, c'est pas une boîte vengeuse. Oh, 21, c'est lui qui veut le plus. Aïe, minute, Lolo, laisse-moi donc parler, ciboule. L'autre, ça vient de Marvel. Ah, ok, minute, sur 21. Celui-là, je suis rendu à 60. Ok, sur, j'ai déjà rentré mon ordre de Big Time. Ok, go. Fireman. Ah, je l'ai déjà, lui. Je peux-tu l'avoir? Non, ben, c'est parce qu'il valent de l'argent, Lorik, celui-là. C'est pas des plates.
Écoute, là-bas, tu vas en avoir dans les autres. Lui, c'est parce que je peux le mettre dans les boîtes que papa va vendre. The Original Human Torch, lui, je l'avais déjà là. So, puis lui, il vaut quand même une quinzaine de pièces. So, c'est là qu'on va voir comment est-ce que ma valeur totale. Ma boîte est à 50 pièces. Bon, là, on finit. Ben, Lemmy, je suis content. Lemmy, je suis vraiment content. Et t'as deux grosses. Pas 12 pièces. So, t'as deux grosses boîtes. Ouais, ben, il y en a une, ça, c'est de Nancy. On l'ouvre pas tout de suite. Elle a 12 pièces. Hein? Oui, elle a 12. Ouf! So, 60... 72! J'ai quand même mis pas mal plus de valeur. Au moins, il y a ça de bon. Bon, celle-là, ben, dans le riz, il va falloir que moi, je garde un à la foule. Non, mais toi, tu garderas. Oui, puis je te les passe en dessous. Tu me passes en dessous pour les gars. Elle est trop grosse, cette boîte-là. Elle, j'ai aucune espèce d'idée de ce qu'il y a là-dedans. C'est peut-être le monsieur Bart. Je vais savoir avec le premier. Oh! Allez, c'est une grosse boîte à dents. Ok. Là, fais attention parce que ça, ça peut couper, mais pas tes mains là. C'est parce qu'on peut pas pour pas de place. C'est gros. E-boy, il doit avoir plus. Hey, oh mon dieu de la vie. Ok, il y a. Il y a pas mal là-dedans. Là. Oh, regarde! Il y a quelque chose de Funko là. Oui, non, mais là, ça c'est. Ok, garde. Ça, c'est de une, la compagnie que je commande au. C'est quoi ce qu'il y a à faire avec le chat? Mais tu veux vraiment. Non, après. Garde pas, c'est moi qui vais garder. C'est moi qui. On garde ensemble. Ok. Oh, lui, j'ai content. Là, assis-toi, calme-toi. Tu vas voir après. Ça. Oh, yeah! On va voir ça. C'est Entertainment Hurt Exclusive Glow in the Dark de X-Men Game Boy. Ça vient l'équipement, ça. De TW. Non, mais tu les Funko, ça. C'est papa qui les a achetés. Mais je les ai précommandés. Puis quand je n'ai assez, ils me les chupons, là, comme les autres boys qu'on avait vus. Là. Lui, je sais honnêtement pas si il va avoir une valeur parce qu'il est vraiment récent. So, oh my god, il y a des mini. Oh, 32. Ok, cool. Peut-être que c'est des mini pour moi là-dedans. Non, il n'y a rien plutôt là-dedans, je te dis tout de suite. Pourquoi? Parce que je sais ce qu'il y a dedans. Yakshi, il y aurait peut-être de quoi pour toi dans cette boîte-là, moi je viens de penser à ça. De chat? Ouais. Ben c'est pas un Funko, là. Tu vas comprendre plus tard. Ok. Bon, lui ici, il vient d'un hard case. Hey! Oh, Star Wars! Regarde comme il est beau. Je vais le montrer. Oh my god, c'est un Target! Ouais, c'est un Target exclusive Jawa de Star Wars. Lui, lui, vous me coupez la pièce, là. Avec un hard case. Checkez-moi ça comment c'est beau. Tabouette! Hey, dis-moi, c'est comme la signature, là, c'est dit. Funko has produced and the first pop collaboration with graffiti. Dans le fond, il y a des graffitis dessus. Ouais, il vaut 37 piastres. Là, tu as déjà dans la boîte de chasse pour moi? Non. Juste une chose, hein? Ben, là, je me rappelle même plus quoi ce qu'il y a là-dedans, mais je sais qu'il y a au moins une chose pour toi. Ok. Next. Oh my god! Oh, c'est comme actually intriguant. Oh mon dieu de la vie! Pierre-Luc Henry, salut! Là, touche pas la boîte! Ça, ça vaut de l'eau, ça. Hey, faut que je trouve un protecteur right après pour le mettre dedans. Funko Shop, ça était en vente 10 minutes. Il n'avait plus. Bibi ici, il y en a eu un. Ok? Qui est Bibi? Moi. Ben Bibi ici, ben, Bibi ici, puis Bibi ici. Hey, ça, faut que je fasse attention. Ça vaut de l'or en base. Hein. Johnny Bravo, Funko Shop exclusive, mesdames et messieurs. Johnny Bravo de l'émission de Cartoon Network. Juste un petit peu. Hein? Juste un petit peu. Regarde juste. Touche, pipe pas, garde juste. Fait un petit bip. Ça, honnêtement, je ne sais même pas ce qui est déjà une valeur, mais ça va valoir le cher. Le bip, c'était pour scanner. Il vaut 119$. 119! Right now, là. On s'entend, ça va monter parce qu'il n'y en a pas. 119. Hey mon dieu, j'ai peur de le mettre proche de toi! Reste le cher. 119$, mesdames et messieurs. Johnny Bravo. Oh boy! Ça là! Lui, le Rick, c'est sûr qu'il va être dans mon top 3 là. C'est sûr. Sûr, sûr, sûr. Non, t'as pas le droit. Ah oh, ouais, j'ai. T'as la face. Oh, lui, il a la broue. Oh, ok. Regardez. Tu connais ça? Attends, moi je vais te dire qu'est-ce que c'est avant. Mais pas tes doigts de neuf. Ça, vous savez qu'est-ce que c'est. Ça, c'est
Shaggy! Shaggy qui est là. Du film Scoob, un Walmart exclusive. Shaggy! Ça, dans le fond, c'est le film qui a pas pu sortir au cinéma. Toi, c'est pas ça! Lorraine Carrois, le là-haut. Je suis sérieux. Hey, en finissant d'enregistrer, moi, je te mets ça dans un protecteur. Non! Moi, je vais casser. J'ai un hard protecteur quelque part, là. Ah, c'est quoi un hard protecteur? Il est dur. Il vaut 27$, lui! Shaggy! Ah, Shaggy! Bon, lui je pense, c'est un Marvel, hein? Ok, je suis sûr. Penses-tu? Ouais, moi, je suis sûr. Je dis ça parce que c'est coupé. Comment est-ce que tu l'ouvres, hein, oui? Allez, c'est. Je peux te voir. C'est Baby Goo! Baby Goo spécial! C'est. Ça, c'est mental, ok? C'est Little Baby Groot. C'est Baby Groot Entertainment Earth Exclusive, mais il est fait en bois. Il est legit fait en bois. Du vrai bois? Du vrai bois, oui. Attends, mais voir. Mais non, il faut, tu peux pas toucher. Là. Non, on va juste voir. Je dis c'est vrai bois, c'est pas du vrai bois. C'est imitation de bois. Ça aurait acheté des cours, ça aurait été du vrai bois, par exemple, imaginez, tu sais. Acheter, j'ai oublié de mettre lui. Shaggy! On va ajouter Shaggy. Hey mon dieu! Ça, c'est cette pichou là. Quel bois qu'on a? Coronavirus! C'est pas vrai. Coronavirus! $20! Mais mon beau petit Groot. Toi, tu n'as pas de name, hein? Oui, j'en ai un de Pennywise. Et ailleurs? Ben, c'est mon porte-clés. Bon, Nyx! Yes! Hey, c'est le fun, il en reste plein, pis il n'a aucune idée, je sais quoi. Ouh! Non, le low, laisse. Ah, oh, j'étais tranquille. J'ai moi là. Ben là, c'est marqué là, t'es pas capable de lire? Celui-là, c'est R2D2 avec de la vase dessus. C'est Target Exclusive R2D2. Yes, sir, mesdames et messieurs. Il y a de la base dessus. Ouais, il est sale. Ouais. Regarde, lui, on l'avait eu l'autre fois, lui. Yoda avec Luke, là. La dernière fois qu'on a fait un unboxing. Hey, attends. Le lot, lâche les boîtes, cibole. Attends, non, on va voir là-dedans. Toi, t'as eu lui. Oui. Le medal, là. Puis j'ai lui aussi. Je l'ai, lui. Le medal? Oui. Mais c'est ça que je disais. 20 piastres. 20 piastres. Fais attention à Little Boy là. Hey, Seigneur. Ok, quelqu'un comprend la prochaine? Non, moi, il veut garder. On garde le Looney Tunes pour la fin, par exemple. Ouais. Oh, ok. Ah, c'est Seigneur, là, l'autre va tomber là. Regardez. La boîte qui est que Jonathan dans le coin là. Là? Ouais. Okay. C'est elle que je veux. Oh mon dieu! Ok, bon, là, faut que j'explique ça. Attends, là, je vais voir avant. Ce site. Johnny Bravo. Et un autre Funko a été releasé en même temps, la même heure. Puis les deux ont été sold out en 10 minutes. Johnny Bravo et... Be careful with that... Dexter's Laboratory. J'en ai eu un de chaque, mesdames et messieurs. Papa, attends. Je vais faire le bip. Ah, il est pas là, le bip. Non, là. Johnny Bravo vaut 119$. 119$! Comment tu penses que lui vaut? 99$. Je suis pas sad. Là. C'est lui le plus cheap. Le plus cher. Le plus cher, ouais. Le plus cher, ouais. Oh my god, hey! Pierre-Luc Henry, je m'excuse, mais là, il est jaloux, je suis sûr. Là. J'avais choisi la bonne boîte, hein, papa? Oh yes! Un autre, ça? Lui, tu vas pas l'avoir en premier, je sais pas c'est quoi. Oh, c'est mon préféré, mon Pennywise FYE exclusive, non. Black and white. Non, cache-le en avant lui, cache-le pas là papa, cache-le là, Non. Oui. Là j'ai une mouse là, je peux pas voir ça. Oh non, il fait trop peur. Fais pas peur. Oui. Pennywise, un beau 32$. Hey, l'argent rentre au boss là. Ok. Oh! Oh! Attends,
Je vais vous faire un hint. Ruff, ruff. Shaggy! Oh! Shaggy! C'est Scooby-Dooby-Doo! We're Walmart exclusive Scooby-Dooby-Doo! Froggy! Where are you? Froggy! Yes, Scooby, what do you want? Doucement, Glee Bratcher. J'aime les Funko Pop, hein? J'adore ça! C'est excitant! Oh, big, big, big one! 27$! 27! Qu'est-ce que fait ce bruit-là? Ça va être donc. Bon. J'ai écrit elle avec Jonathan Roux. Elle à côté de l'affaire de chat. C'est ça? Non, pas là, ouais. Oh, elle, je le vois, il y a une petite couche. Non, 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 non. Quoi? J'ai peur qu'il est brisé. Oh, non, all good. Attends, je vais vous donner un hint, le dernier mot. I'm Tony Stark. L'avez-vous lu? I'm Iron Man. Target exclusive Iron Man Game Verse. Moi, je donne des hints avec les fonds. T'es bon, toi? Ben, j'ai hâte de voir, mais tout, il y a peut-être que je vais pas mis, tu vous auras aucune idée c'est quoi. Lui vaut... $20. Tu me diras qu'est-ce que le robot, ok, papa? Hey, lui! Comment pesant ça peut être? Tu lèves ça? Oh, il dit là, faut. Qu'est-ce que ça, c'est? Quoi? Ah, ok. Ouais. Je vais te placer, c'est quoi? Oh my god, dis-moi qu'est-ce que c'est, ça vaut. Je sais même pas moi-même. Attends! Hey, il pèse comme 5 livres, attends, legit. Non, m'en ai pas de suite. Là, c'est pas lui que je vais le nommer, mais ça vient de le film là. Ça vient de le film là, mais c'est pas lui. Batman! FYI, ça dit le Devastator de Batman. Hey, il est énorme, pis il est pesant, ça n'a pas de sens. Hey. Attention à la boîte, chat. Hey, il pèse comme 5 livres. On dirait qu'il y a comme 100 Funko Pop dedans, là. Hey, c'est fou. Papa, on dirait qu'il y a comme une coupe de Funko Pop dedans, là. Il vaut un beau 41$. Oh my god, là, je suis pas content de ça. Regarde, papa. Un scratch. Non, il n'y a pas de scratch, c'est parce qu'il y a de la. C'est sale, Richard. Ah, ok, moi. C'était sale. Bon, il en reste 4. Nyx. Ah, ok. Ouais. Ça finit une collection, je pense. Funko Shop exclusive. Non, dis-moi que c'est. Ben, je sais pas, Lilo, je sais pas. Billy Madison. Mr. Billy Madison. Ça, c'est. Ben, il y a droit à une chanson, je me rappelle pas c'est quoi la chanson de Billy Madison. 28$. Ça finit ma collection au complet de Billy Madison. Je viens de faire dessus, ça. J'ai lui. Non, il m'en manque un, actually. Puis je pense que c'est lui ici. Non, ça, c'est pas lui. Ça, c'est Happy Gilmore. Funko Shop exclusive. Happy. Avec son bâton de hockey, je sais pas si vous voyez. C'est un bâton de golf. Ben, attends une minute, t'as raison. Non. Non, c'est ça, un bâton de hockey. Il y en a un ici avec un bâton de golf. Je vois. Lui, il vaut. Oh my god, 42$. Wouh! Ok. Add to collection. Là, c'est-tu le chat? Non, il reste un dernier avant le chat. Il reste lui aussi. Ah bon! Ok. So, là, il a fini sa collection. C'est ça. Là, c'est officiellement fini la collection de Billy Madison avec le Target exclusif de Billy Madison. Et voilà. Lui, il va. C'est le même, mais le Target exclusif. C'est ça. Ben, c'est. Ouais, regarde, c'est pas le même, besoin, gars. Il y a son casse à l'envers, là, il y a son casse à l'endroit. Mais papa, là.
faudra que tu... Il vaut 17$. Toi, faut que tu me donnes la boîte de chat. Non, mais c'est parce que faut que je t'explique. Ok, explique-moi. Pour ça, c'est la première fois qu'on ouvre une, je pense, ici. C'est des Funko Shop Box. Ok? Oh, je peux... hey, c'est dans le fond, là-dedans, tu as un Funko Pop puis un t-shirt. Mais le t-shirt, c'est à toi. Ah, moi, je peux... Ben, il y a le Funko Pop. C'est à moi. Attends, on va voir. Non, on va ouvrir la boîte. Tranquille, mais promis. Je vais voir s'il n'y a pas ce qu'il a acheté. Tranquille, non. Non, non. C'est Flock. Hey, papa, tu sais quoi? En plus, c'est un Target exclusive. C'est un... Oui, ben il y a deux. Ils sont deux, là. C'est un Target exclusive. Flock 2 de Looney Tunes. On a un two-page en deux. Là, on ouvre un autre. Ça? On va montrer le t-shirt alors. Regardez comment est-ce qu'il vaut. Ça, on va pas dire. Le t-shirt, bon. J'ai pris la plus petite size qu'il y avait, ça fait que. Il vaut un beau 44$. Il va peut-être pas te fitter tout de suite, là, mais tu vas grandir. Là. Mais ça, j'ai pris. Oups, là, j'ai pris un small. Ah, c'était un medium la plus petite. Là, il va pas me fitter. Non, mais plus tard. Pour acheter, maman pourrait le porter. Tiens. Tiens. Bon, on fait notre top 3? Ouais. Moi, c'est pas un top 3, moi. Ah ben là, prends-en pas 10, hein, je fais pas des chains. Non, 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 pas 10, attends. Dans mon top, on va dire avec un top. Scooby-Doo. Celui-là. Iron Man. Iron Man. Shaggy. Shaggy. C'est ça? Baby Groot. Okay, là, Fireman. Ah ben le Rick Chat n'a trop le wow, là. Un dernier. Deux derniers. Non, non, un. Non, deux. Là, il n'y a pas de place. Il faut que j'en prenne deux. Un, deux. Joker? Et non, pas lui, pas lui, pas lui. Tu peux avoir Tweety Bird? Lui. Fluffy. Baby 8. C'est bon, ça, mon c'est top. Pas Baby 8, c'est R2D2. Ça, c'est mon. So, Shaggy, Scooby-Doo, Iron Man, The Human Torch, Baby Groot, Fluffy avec Lisa et Minnie. Non, c'est pas ça. Puis R2D2. Ça, c'est les préférés à Mr. Lolo. Puis les préférés à Johnny B. Good. Puis tu mets lui en avant, Charles, là-bas, s'il te plaît. Je sais pas ce que. Oh, il va peut-être tomber à terre, par exemple. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on en mette ici. Yeah. Oh, mon chaleur, il tombe à terre. Oh, il va tomber à terre. Moi. Dexter, Big Boy, Johnny, puis ici, Jawa. Ça, c'est mon top 3 mois. Bon, si que vous avez des Funko Pop, vous voulez vous en débarrasser ou vous voulez nous faire un cadeau. Arrête de dire ça, on l'a déjà dit 100 fois. Ah oui, ben, il faut le dire à chaque épisode. Envoyez-nous un message, on va vous donner notre adresse. Puis, ben, si vous voulez faire comme Nancy, comme Pascal, comme William, avoir un fan mail avec vous autres, on va être super, super contents. Et si vous n'avez pas de Funko Pop, mais vous voulez faire un podcast avec Johnny, il va vous donner votre adresse, puis vous pouvez venir faire un podcast avec Johnny. Yes, sir! Ça passe une très belle journée. On vous aime fort. C'est Johnny le Jaseux et Loric le Jaseux. Peace out. Hashtag Jaseux. Salut!